Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous présenter le nouveau jeu annoncé récemment par l'éditeur NetEase Games et développé par Thunderfire Studio Naked Rain. C'est un jeu open world dans le monde urbain qui se passe en pleine ville et qui porte le nom de Project Mugen, un RPG urbain en monde ouvert qui sera disponible sur PS5, PS4, PC, iOS, Android et le cloud. Et oui, comme vous l'avez entendu, la version PS4 a été une nouvelle fois confirmé. Des préinscriptions sont disponibles depuis l'annonce qui a été faite justement le 24 et un trailer d'annonce a été fait qui dure environ 2 minutes 30. Pour le moment, il n'y a pas encore de date, je vous laisse découvrir avant justement d'analyser le gameplay et de voir en profondeur ce que ce jeu va nous proposer en termes de personnages, de ressorts de personnages, de gameplay et de vision des choses comparées aux autres open world qu'on a eu, que ce soit également les actions 3D en couloir, que ce soit Tower of Fantasy, Genshin Impact, Zelda également, tout ce qui se joue en solo ou en multijoueur. Et ce jeu m'a l'air vraiment très prometteur. ジャイアントと隕石がこの街を滅ぼすって言われてんだぞ。まだわからないのか。真の悪役はお前たちだ。この街を破壊したのはお前たちだろう。さあ、終焉を楽しもうじゃないか。Comme vous l'avez vu dans l'introduction et dans le trailer que je vous ai laissé, nous avons cette possibilité de se promener, de survoler, de planer, de se promener, de courir sur les toits, sur les buildings. Et c'est ça qui fait le charme du jeu. Là, à l'heure actuelle, nous avons une totale liberté dans le monde urbain que propose ce jeu. Que ce soit par les véhicules, par les mouvements sur les buildings, sur les toits et j'en passe. Nous avons également plusieurs gameplays différents de la psychokinésie, des persos élémentaires. Et ça, on peut considérer ce jeu comme un jeu next-gen. Et également une autre facette du jeu qu'on n'a pas pu voir dans les premières secondes qu'on a vu il y a quelques jours, c'est qu'on a des combos aériens. Des combos aériens, des combos depuis des véhicules, des combos avec des véhicules. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans d'autres jeux, dans les anciens jeux qui sont sortis jusqu'à présent. Le jeu va rivaliser avec Tower of Fantasy, au cas où si c'est du MMORPG. Si, dans le cas contraire, si c'est un jeu full solo, c'est un jeu qui rentrera directement en rivalité et en compétition avec Genshin Impact, avec Wuthering Waves, et on verra par la suite ce que le jeu va nous proposer en termes de contenu dès qu'il sortira. Je pense concrètement que le jeu pourrait être prévu pour fin 2024, voire milieu 2025. On verra avec les futures annonces qui vont nous donner. Je vous dis ciao et à la prochaine. Peace.